Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je décide de partager avec vous la recette de la pizza. Vous verrez, elle est très sympa à réaliser et elle est excellente, comme celle qu'on achète chez un pizzaiolo. Allez, go, suivez avec moi la recette. Alors pour cela, il vous faudra une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère et demie de levure déshydratée, ainsi que de 300 ml d'eau. Je mélange le tout et je vais rajouter mes 500 g de farine. J'y rajoute l'herbe de Provence, et je vais ramasser la pâte. Je vais la laisser reposer une heure au frais, ou si vous voulez, vous pouvez la laisser toute la nuit. Je vais prendre ma sauce tomate et je vais y mélanger le sel, le poivre, le sucre, les herbes de Provence, ainsi que l'huile d'olive. Je mélange le tout. Et voilà, ma sauce est prête. Alors moi, ma pizza, je vais la garnir de champignons, d'oignons émincés, de thon, de poivrons, d'olives vertes et de gruyère aux trois fromages. Donc je vais faire trois boules. Et je vais venir l'étaler au rouleau. Et voilà, je vais mettre de la farine sur mon plateau. Je refais ma deuxième, je l'étale. Je la mets dans mon plateau. Et je vais venir garnir ma pâte. Donc je vais y mettre ma sauce tomate. Mon oignon, mon poivron, mon thon, mes champignons et mes olives. Ainsi que le gruyère. Allez hop, au four. Et je refais pareil pour les deux autres.
Et voilà le résultat. Une bonne pizza. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.